On a utilisé en 2009 sur un 807 et on l'avait installé parce qu'on avait un défaut de sirène de ton qui n'était pas assez perceptible par les usagers. Donc on avait mis en place ce système de sirène américaine et on les a mis également sur les deux autres véhicules SMUR qui sont venus ensuite. Alors son utilité, une étude qui avait été menée au SMUR Lariboisière, au SMUR de Garches, fin 2006, début 2007, ils avaient comparé les temps de trajet avec des véhicules utilisant la sirène américaine et d'autres ne l'utilisant pas. Ils n'ont pas aperçu de différence significative par rapport à l'utilisation d'un deux-tons classique. Ils sont aperçus que sur des courtes distances, c'est ce qu'ils faisaient en général, des interventions de 3 km à peu près, ils gagnaient même pas 17 secondes. Donc effectivement, l'avantage n'a pas été prouvé. Et d'ailleurs, la commission des transports sanitaires de l'APHP, qui s'occupe des SMUR parisiens, n'a pas retenu cette sirène américaine. Il faut savoir que cette sirène américaine n'est pas homologuée. Mais pourtant, vous l'utilisez encore aujourd'hui à Limoges. Très rarement. D'accord. Je pense que sur Limoges, les conditions de circulation sont telles que l'on peut passer avec la sirène de ton sans aucun problème et que l'utilisation de la sirène américaine reste exceptionnelle quand le véhicule se trouve complètement bloqué pour essayer de dégager un petit peu plus. Donc c'est vraiment très exceptionnel. Elle doit nous permettre de passer des carrefours totalement bloqués en toute sécurité ou éventuellement de remonter de longues files complètement bloquées sur l'autoroute. Ce sont des situations très exceptionnelles. Une utilisation avec parcimonie, en fait. Avec parcimonie, oui, tout à fait.